à moi et boire. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son cœur, et cette eau donne la vie. On lit cela dans le livre saint. Par ces mots, Jésus parle de l'Esprit de Dieu. Ceux qui croient en Jésus vont recevoir cet Esprit. Mais à ce moment-là, l'Esprit Saint n'est pas encore venu. En effet, Dieu n'a pas encore montré la gloire de Jésus. La foule entend les paroles de Jésus et quelques-uns disent « C'est vraiment lui le prophète !» D'autres disent « C'est lui le Messie !» Mais d'autres encore disent « Le Messie ne peut pas venir de Galilée. » En effet, on lit dans les livres saints « Le Messie sera de la famille de David. » Le Messie viendra de Bethléem, le village de David. Ainsi, à cause de Jésus, les gens ne sont pas d'accord entre eux. Certains veulent l'arrêter, mais personne ne peut le prendre. Les gardes du temple reviennent près des chefs des prêtres et des pharisiens. Ceux-ci leur demandent : Vous n'avez pas amené Jésus. Pourquoi ? Les gardes répondent : Personne n'a jamais parlé comme cet homme. Alors les pharisiens leur disent « Il vous a trompé, vous aussi. Aucun de nos chefs, aucun de nous pharisiens n'a cru en cet homme. Et cette foule qui croit en lui, elle ne connaît pas notre loi. Ce sont des gens que Dieu rejette. » Nicodème est un de ces pharisiens. C'est lui qui était allé trouver Jésus quelque temps avant. Il dit aux autres, « D'après notre loi, nous ne pouvons pas condamner un homme de cette façon. Nous devons d'abord l'entendre et savoir ce qu'il a fait. » Mais les autres lui répondent, « Est-ce que tu es de Galilée, toi aussi ? Étudie les livres saints et tu verras. Un prophète ne peut pas venir de Galilée. » Ensuite, chacun s'en va dans sa maison. Auprès de toi, au creux de tes bras, rien n'a plus d'importance que le son de ta voix, ton cœur qui bat et le mien qui retrouve un sens. Sous ton abri, où mon cœur revit les merveilles et les mystères de ton amour, si doux, si fort, plus précieux que l'or. Oh mon berger, je veux rester de toi, au creux de tes bras. Rien n'a plus d'importance, le son de ta voix, ton cœur qui bat et le mien qui retrouve un sens. Sous ton abri,
tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance.